match, bien sûr, sur Twitch, vous le savez. Tout le long du match, vous nous faites part de vos remarques, de vos commentaires. Ce match, ce deuxième match de préparation de l'Olympique de Marseille. Une dernière, défenseur central, côté gauche, axe gauche. Et les premiers ballons de Gerson sous le maillot olympien. Ça sera pour Amavi derrière. Ah oui, le voilà, justement, voilà. Gerson qui se retourne. Une position assez haute, bon ballon. Et qui en profondeur là pour Luis Enrique sur le côté gauche. Luis Enrique en retrait. Ballon c'est toujours dans les pieds marseillais. Avec Gerson, justement. Pour Luis Enrique, le 1-2. Ça ne vous a pas échappé qu'il est gaucher. Hein. Allez, sur le côté gauche, toujours de l'attaque marseillaise. Centre au deuxième but. Allez, c'est pas mal ça, on est dans la surface de réparation, marseillaise, la frappe, non c'est le centre, deuxième poteau. Dans ces 10 premières minutes, Pape Gay, avec Gerson la faute, peut-être. Sur gaucher, hein, Gerson, match de guerre. Gerson, dans le cœur du jeu, poursuivi. Oh, comme Enrique qui est quand même, évidemment c'est un droitier, mais qui a un très très bon pied gauche. Ouais, c'est clair. Jean-Marc Ferry, si vous avez des remarques sur ce match, on est là pour échanger aussi. Bon, allez-y, ballon, allez, nous part, ouais, c'est pas mal ça. On entend la frappe, ouh la parade. Ah, je crois que l'OM, c'est le club de Ligue 1, on aura pu se recruter. Hein. Ouais, ouais, clairement. Deka, il a vers Rongier. Gerson. Luis Enrique, c'est bien fait. Allez, Gerson qui a le ballon, un petit peu de champ peut-être, non. Un peu bloqué là pour Gerson qui va revenir. Avec Amavi. Et pour nous, ouh ça c'est beau, c'est beau. Ce ballon de paillettes en aile de pigeon pour Gerson sur le côté gauche. Gerson qui va patienter un petit peu, qui a vu l'appel de Luis Enrique. Attention, ce centre en retrait. Heureusement, il n'y a personne pour le reprendre. Mais en fait, Balerdi, il est allé chercher ce ballon en touche. Ouais. Et les Marseillais, cette fois-ci, qui sont à l'attaque au niveau de la très bien. Et la sortie de Sedi pour la rentrée de Pelletier. Et pénalty pour l'Olympique de Marseille, ouais. Avec cette faute dans la surface. Un pénalty pour l'Olympique de Marseille. On va quand même checker tout ça avec la VAR. Hein, Marseille, ce pénalty transformé par Payet. Pénalty provoqué. Et sur la feuille de match, le joueur arrivé en prenant la Juventus la saison dernière. Oh, on va suivre cette action. Il n'est pas sur la feuille de match, hein, mais attention, ouais, c'est allé un petit. Ni Diop du coup. Pardon ? Ni Diop, attention à cette action avec Gerson à l'entrée de la surface et ouais, le bon retour pénalty. Défensif. Non. Non, en place, ça c'est une bonne passe de Payet. Oh, superbe là pour Gerson. Gerson, il est hors jeu, le Brésilien. C'était bien joué, ouais. On avait réussi à trouver la faille. Hein. Tu vas en voir à la fin de l'action avec ce petit piqué. Il dit qu'il est pas hors jeu. Ouais, on n'a pas la VAR. Hein. C'est ça, le petit piqué derrière, pleine lucarne, joli geste technique. C'est un très très bon technicien ce Gerson. Et en effet, on commence à sentir une bonne entente entre Payet et Gerson, ouais. sur le terrain. Ils se sont trouvés quelques fois, les deux joueurs. Allez, Camara au duel. Bien Gerson. Frappé, la passe limite de Gay, là, Balerdi. Harry. Intervention Camara. Oh oui, touche dans la surface de réparation marseillaise. Allez, c'est bien défendu, pas de souci. Et c'est relancé avec.